Bon allez, go, se souvenir. Attention, je pense que ça va être séquence émotion. Tu sais qu'il laisse tout le temps des fleurs. Non. Cette petite a beaucoup d'amis. Avait. Il faut que je passe à autre chose. Je sais. On a tous vécu un vrai cauchemar, mais... Il faut vraiment que t'arrêtes de remuer tout ça. Je remue rien du tout. Hayden. Je sais ce que tu fais. Je sais que tu recherches les gens responsables de tout ça. Mais tout ce que tu vas obtenir, c'est que tu vas encore nous mettre en danger. Vous n'êtes pas en danger. Puisque je vous protège. Non, mais tu t'entends parler. Hayden, pourquoi est-ce que t'arrêtes pas? Parce que... Il faut que je sache. Tu es mon frère. Et je t'aime. Mais Jackson, c'est toute ma vie. J'hésiterai pas une seule seconde à t'abandonner pour le protéger. Promets-moi que tu vas arrêter. Tu peux plus rien pour Lena. Je l'ai tué. Non, c'est faux. Je t'en veux pas. Mais promets-moi que tu vas t'arrêter, s'il te plaît. Promets-le-moi. Au nom de notre famille. Je te le promets. Lena est morte, d'accord, je peux rien y changer. Mais comment je peux oublier tout ça? D'accord, ce que je peux faire avec la tombe, c'est sauter. C'est génial. Ouais. Je crois que t'as un problème. Il y a un mec du stade qui a survécu. S'il se met à parler, tu seras identifié. Il a survécu? Comment c'est possible? Bah, j'imagine qu'il est pas mort. Mais t'inquiète, hein, j'ai un plan. Retrouve-moi à Gorman Heights, sur le toit. Ouais, moi je suis tranquillou, moi je prends une voiture, je vais dans le cimetière, c'est la fête, c'est tout est normal. Pardon papy. Oh! Une moto! Mais putain, mais je me crampe encore de boutons, je me crois dans GTA ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il me fait? Ah, ça c'est beau avec la cape qui vole. Ah ouais, attends, déjà il y a un problème. Voilà, parce que je sais pas du tout où aller. Voilà, surtout que je vais pas du tout où aller. D'accord, c'est pas du tout par là. Voilà. Je trouve le son de la moto très moche. Oh là, n'importe quoi. L'impact un peu. Je suis même pas tombé. Ça c'est beau. Attends, je vais voir si je peux tomber. Eh oui, je peux tomber. Okay, je suis merveilleusement tombé. Loche. Ça c'est les débris de ma moto ça. Oh, c'est des feuilles, je sais pas, peut-être qu'on en automne. Allez go. Là ça fume maintenant.
Petit 3 avant. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Ah, la vue elle est géniale. Oh là. Ça tu peux pas faire ça dans GTA 5. Hop. Ça non plus tu peux pas le faire. Rebondir sur le tir comme ça en restant sur ta moto. Merde, j'ai pas assez fait de frame. Oh le con. Même pas mal. Oh, par contre elle est un petit peu en feu là. On va éviter de la prendre. Bonjour. Le mec il veut tourner, désolé. D'ailleurs le mec veut tourner là, je sais même pas comment il fait là, parce qu'il tourne là. D'accord. Nouvelle édition de Power Profiles. Aujourd'hui nous parcourons la vie de Joseph Lucky Quinn. Monsieur Quinn est l'un des entrepreneurs les plus influents et respectés de Chicago. Son empire s'étend sur l'ensemble du pays et par-delà nos frontières. Et sa fortune personnelle. Ce soir, on mange chinois. Où est-ce qu'il est? Jordi, c'est sans doute le pire des partenaires possibles, mais au moins je le connais. Dans d'autres circonstances, je serais peut-être à ses trousses. Ou le contraire. Mais s'il me dit qu'on a un problème, je dois me préparer à la pire des catastrophes. Il me restera plus longtemps à vivre si je laisse ce survivant m'identifier. Mais putain, mais avance. Attends, attends, ben on va se la jouer Assassin's Creed. Voilà. Ça c'est génial. Ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, la sécurité de l'immeuble est super pointue. Du coup, des gens comme eux, ça se sent à l'aise. Pour te dire, ils avaient rien d'autre qu'une petite chaînette à leur porte. De quoi regarder la tête du livreur de pizza avant d'ouvrir, tu vois? D'accord, d'accord, je vois. Et à propos du problème? C'est pour ça que j'ai pris ma grosse pince. Il ouvre un peu sa porte, il y a la chaînette, je mets la grosse pince et quick. Et là, surprise, ce soir on mange chinois. Jordi, le problème, il faut s'en occuper. Mais on s'en occupe, c'est ce qu'on fait. On nage dans les solutions, là, Pierce. J'ai bien l'impression que t'apprécies pas vraiment ce que je fais pour toi. T'imagines pas une seconde tous les services que je te rends. Et ça, c'est pas bien. Vraiment? Ouais. Si tu veux me rendre service, mets-toi au boulot. Combien de temps on a? Pas des masses, à vrai dire. Oh, tu te souviens du cadavre? Tu sais, celui du stade. C'est plus vraiment un cadavre. Les flics l'ont envoyé au correctionnel de Chicago et... il va bientôt entrer dans une salle d'interrogatoire, tout ça pour pointer son gros doigt directement sur toi. Et comment c'est possible ça? Et voilà qui recommence. Regarde cette vue. Tu vois là? J'ai reçu un coup de fil ce matin. Quelqu'un a payé une sacrée fortune pour choper ce clown et le faire parler. Et l'un de ces types dirige la mission. D'accord, je vois. J'aille lui parler, c'est ça? Oui, mais cette fois, essaie de pas faire le coup du flingue vide. Ce pauvre Maurice s'est pissé dessus après ton sketch. Chacun ses méthodes. Tu sais te servir de ce truc? Allez, bouge ton petit cul, je te couvre. Ah, et essaie de pas tuer le boss cette fois. Il peut être utile. Sans blague. Et encore une émission d'infiltration. C'est Splinter Tail Dogs en fait. Splinter Dogs. Alors, est-ce que je peux nager? Bah, je vois pas pourquoi. On fait ça vite, d'accord. Mon téléphone doit être waterproof. Le balcon commence à gémir et ça me donne la migraine. Et si j'ai la migraine, je vais pas te servir à grand chose. Tu crois que t'es le seul à vouloir faire ça vite? Comment je peux savoir ce que tu veux? L'empathie, c'est pas ton truc, hein? Non, pas trop, non. C'est quoi ce contrat proposé au fixeur? Qu'est-ce qu'il cherche? Toi? Quelqu'un veut la tête du justicier. Du coup, ils vont organiser un faux transfert de prisonniers pour faire sortir le seul témoin capable de t'identifier. C'est la première fois qu'ils mobilisent autant d'hommes, par contre. Ils savent que je vais essayer de les arrêter. Écoute,
Le témoin connaît mon visage. Si les fixeurs le retrouvent et découvrent comment je m'appelle, ils s'en prendront à ma famille. Ah, la famille. T'es trop sentimental, Pierce. Le voilà ton point faible. Quelqu'un s'en servira contre toi un jour. Bon, je vais faire de mon mieux pour te couvrir, mais je peux pas tous les voir. C'est parti. Bon, l'eau a l'air... plutôt bien faite. Même si je la trouve un peu bizarre. Non, elle est pas mauvaise, elle est pas mauvaise. Elle est pas à se plaindre. Mais par contre, il nage assez lentement. Je sais pas si je peux aller plus vite, là. Est-ce que je peux monter là? Non, il a pas envie. Attends, mais non, mais je peux pas monter là. Bon, bah, on va aller là-bas. On va éviter de courir. Quoique, allez, on court. Il y a personne. D'accord, il y a un mur. Il y a un truc. Dimanche chimique instable. Ça rame. Ah bah ça, je n'y peux pas grand chose. À part en baissant la qualité du live, mais j'ai pas vraiment envie de... Le jeu que c'est pas forcément supra beau. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi qui est... Attends, j'ai pas compris. Attends, est-ce que je voulais la caméra là? Je sais même plus c'était quelle caméra que je voulais. Il y avait une caméra là et je... Attends. Il y avait une caméra là. Mais... Et apparemment je crois que j'ai tué quelqu'un. Non, ça. Fais gaffe, il y a un débile en approche, tu le vois. Attends, pourquoi j'aurais tué quelqu'un? Parce que j'ai une espèce d'entendu de quelqu'un. Ouais, non. Non, j'ai peut-être mal entendu. Oh putain. Mais il faudrait ouvrir cette porte, mais je ne sais pas comment faire. Mais genre, ça fait des coupures, mais des grosses coupures, ou c'est juste... c'est pas trop gênant, moi? Parce que si le live est de mauvaise qualité, ça serait con, quand même. Ah, la grue, attendez, qu'est-ce qu'on peut faire avec la grue? Identifiez-vous. J'aime bien la gueule. La réaction des gardes, quoi, c'est complètement... On va le chercher. Oh mon dieu, hein, qu'est-ce qui se passe, hein, quoi. C'est génial. Mets-toi devant et tourne la poignée. J'avais pas pensé. Parce qu'il y a une poignée. Ah. Ah oui, effectivement. J'avais pas compris. J'aime bien chercher les complications, moi, c'est ma passion. Hop. Hop là, il y a quelqu'un qui a fait mon repère, je sais pas c'est qui. Le mec là-bas, là. Oula. Mais va où? Eh, arrête, je peux aller dessus. Ça serait génial. Non, c'était même pas la peine, en fait. J'ai cru que ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau. Attends, mais si le chariot élévateur, je l'élève. Je peux aller dessus après? Ouais, non, ça. La complication du truc. Attends, parce que ça, déjà, ça m'énerve. Putain, mais on peut pas l'arrêter? Si, il est arrêté. Non, il n'a pas envie de s'arrêter. Oula, 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 oula. Attends, je sais, faut que j'aille où? Parce que là, les deux gardes, ils sont pas contents. Ah, il y en a un qui arrive. Mais c'est quoi qui fait ce bruit là? Comme s'il y avait quelqu'un qui se faisait écraser. Attends, mais il y a quelqu'un qui a été écrasé là. Et... Attends, il y avait un autre garde là. C'est quoi cette blague? On va se le faire. Ok, il me repère. Attends, il y a le garde, il est où? Il y avait un autre garde là. Il était là. Parce que lui, est-ce qu'il peut nous écraser? Il n'y a aucune raison qu'il nous écrase. Attends, je sais qu'il y avait un garde. J'en suis sûr. S'il est là. Oula!
Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il s'est fait écraser? Ça se trouve, hein. La grue, genre, elle se déplace, hop, elle. Ça m'a l'air totalement absurde. Mais... Bon, j'ai pas envie de recommencer. Mais... Juste pour voir ça. Mais enfin, bon. Admettons. Attends, apparemment, il y en a un, il y a quelqu'un en hauteur. Là. Ou alors, il est dans le sous-sol. Ah, là, oui, il est en hauteur, effectivement. Ah, attends, parce que là. Non, je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un. Si, il y a quelqu'un devant la porte là, c'est pratiquement sûr. On va se mettre là. Toi, qu'est-ce qui se passe là? Non, ça va. Donc, attends, parce qu'il y a le mec là-bas. Quand faut que j'atteigne là, donc il y a. Attends, si, attends. Ce truc là qu'il faut que je désactive, non? Attends, est-ce qu'il y a une caméra dans les alentours? Voilà, c'est ça. Ça faut que je déverrouille. Donc là c'est fini. C'est déverrouillé. Normalement c'est déverrouillé. Moi je suis... Je suis flouté. Donc est-ce que le garde gêne? Attends, je pense qu'on pourrait le... Ouais, si, il y a un chariot élévateur là. Donc on peut le... C'est quoi ce truc? Là. Et ça c'est beau! Du premier coup! C'est bon. Pour une fois que je réussis. Du premier coup en plus. Attends! Attends! Arrête! Qui est sur le coup de la prison? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas de quoi tu parles! Lance Brenner. Comment elle va ta petite famille? Qu'est-ce que tu veux, putain? Je te demande comment va ta famille. Oh, j'ai bien l'impression que t'as une double vie, toi. Père de famille, des gosses bientôt à la fac. C'est cher, ça, pour un syndicaliste. Je t'emmerde. Et puis, il y a le reste aussi. Des comptes fantômes, plein à craquer. Eh. Est-ce que t'es au courant que ton nom est lié à tout un tas d'affaires classées? Ça intéresserait les flics, tout ça. Ok, attends. Tu veux du fric? Je t'en fais une partie si tu veux. Ça y est, je m'emmerde. Ok, ok. Putain. Le coup de la prison, c'est Angelo Tucci. Il dirige un convoi, mais c'est trop tard, tu le retrouveras jamais. C'est pas lui que je veux. Il a de la famille en ville, non? Tu lui veux quoi, sa famille? C'est quoi ton putain de problème? Ça serait trop long à t'expliquer. Oh là. Toi, pire, s'il en arrive d'autres. Il y en a beaucoup. Pas mal, ouais. Oh merde. Bon bah vraiment ça va être bourrinage total là, puisqu'il nous offre des petites armes. Et même des petites grenades. Ça va être la boucherie. Bon bah go la boucherie. Attends, c'est pas par là, là c'est là où j'étais.
D'accord. Complètement scripté. Vous êtes poursuivi. Non, sans blague. Merde, je connais lui. Lequel? J'oublie toujours son nom. Le type avec les oreilles là. Dawson. C'est un ami à toi? J'ai pas vraiment d'amis. Duncan, ou alors ça commence par un P. T'es sûr que tu le connais? Peut-être pas finalement. Allez, je le descends. Comme ici. Putain, je vois même pas. Alors soit je... Maintenant je suis obligé de les tuer. Oh là, mais c'est qui me tire dessus là? Attends, mais je suis caché là. Mais je les vois, mais... Attends, ils sont derrière. Ils ont pris un sandwich. D'accord, ils sont tous là maintenant. Mais ils sont cachés là, genre. Bon, je vais mourir. C'est-à-dire parce que des fois, je... Il y a des séances où je me prends juste 2 balles, je meurs d'un coup et là je prends des rafales et tout va bien. C'est la fête. Mais attends, mais il est où? Mais je vois rien du tout. Putain, mais je vais pas me retourner à chaque fois là. Allez, meurs. Repérage. D'accord, j'ai obtenu un trophée, je sais même pas ce que c'est. Mais attends, mais là c'est la boucherie. Non, franchement, je sais pas ce que je fous là, effectivement. Bon, sinon le jeu est plutôt beau, hein, franchement. Même dans les cinématiques, c'est quand même sacrément beau. Et puis l'effet de lumière avec l'hélico, j'ai bien aimé. Attention, script. Moi j'aime bien l'effet de lumière. Bon, qu'est-ce que je fais? Alors soit je cours quelque part, ce que je vais faire je pense, parce que sinon... Bon, on va courir là-bas, comme ça moi, on n'aura qu'un côté à s'occuper. Attends, par contre, pour vue. Parce que je peux pas zoomer là. Attends, zoomer. Non, mais oh là là, mais. Ah, mais d'ailleurs, il est là, mais qu'est-ce que je peux le tuer? Ah, oui, je peux le tuer. Comment on fait pour zoomer? Parce que là c'est vraiment pas terrible. Putain, je disais que c'est plus facile mais en fait je me fais toucher là. Mais putain, mais... Oula, non là je... C'est pas évident. On va peut-être essayer d'aller à... Non, pas à droite. C'est dangereux. Il y en a beaucoup. Pas mal, ouais. Oh merde. Il est là, je le tiens. Donc, non, on va retenter mon truc. Je me suis pas de bouton. Faut juste que je sois un peu plus réactif, on va dire. C'est pas le meilleur des cachettes. Dirk, faudrait... Voilà, c'est bon. Et je crois pas, ils sont tous cachés derrière des murs, qu'est-ce que je fasse? Il met 3 ans à recharger. Attends, celui-là il me saoule. Mais putain, je peux même pas tirer. Voilà. Mais il est où?
Putain, mais je me dis, je vais mettre là pour pas qu'on prenne par derrière et... Ils font que ça, quoi. Surtout que là, je peux pas là, les avoir de près. Mais... Je vais me reculer. Oh là, mais ils sont tous... Ah, d'accord. C'est un complot, là. Oh, mais il y en a combien? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va courir de l'autre côté. C'est un peu un suicide. Attends, mais il y a encore un là-bas? Qu'est-ce qu'il fout? On continue à courir. Forbury style. Je le vois pas l'autre, il est là. Bon, la visée auto par contre, elle a pas l'air d'être super efficace. On n'est pas dans un GTA. Hein. Je vais t'avoir. Viens là, Sao. Putain, mais y a des mecs qui pop là, mais. Non, sans blague. Non, je suis armé. Non, c'est pas possible. On m'aurait caché un truc là. Bon, je fais n'importe quoi là. Non, mais clairement. Mais putain, mais cache-toi là. Oh putain, mais. Je suis en confiture style. Il en reste pas beaucoup là, ça serait cool que je meurs là. On peut tirer à travers les palettes. Oh putain, mais. Pourquoi je tire toujours à côté? Non! Mais qu'est-ce qu'il fout là, Lloyd? Comment tu sais? Bon, rego. Son script. Ouais, on va tuer Grume, ça sert à rien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va refaire notre technique à la con qui sert à rien. Putain, là. Mais putain, oh là là, ouais. La physique avec les poubelles est géniale. En fait, je sais pas si... Mais non, mais c'est pas du tout... Ah si, mais si je me mets là, là je suis caché. Par contre, je ne vois rien du tout. Hein. Non, d'accord, je suis pas du tout caché. Non, bah, en fait, je vais mourir, là. C'est tout ce qui va se passer. Mais putain. Et en plus, j'ai même pas la bonne arme. Génial. Hein. Il tire à travers les murs, lui, il est... Putain, mais j'adore ça, quoi. Je sais même pas où je tire, mec. Je sais pas s'il est derrière le mur ou pas, quoi. Mais putain, mais c'est qui me... Ah, mais je vois pas lui. Oh. Putain, mais c'est quoi, c'est la bande à Gaza là, c'est pas possible. Mais pute. Oh. On va y arriver, j'espère. Attends, j'ai des grenades, ça pourra peut-être me servir. Bon, c'est trop compliqué, les grenades. Bon, on va se la jouer un peu plus mobile cette fois-ci, parce que sinon on va jamais y arriver. Allez, on se la joue mobile. On se la joue Rambo. Je sais pas si... Et on a vraiment du mal à les distinguer, les ennemis. Hein.
À part leur halo blanc, mais par exemple lui, leur halo blanc, mais... Il est derrière un mur, mais... Comment on est censé distinguer? S'il n'y a pas d'halo blanc, c'est qu'il est pas derrière un mur. Quoique, ça se défend. Si. C'est peut-être plus simple de faire comme ça. Voilà, je recharge, merci. Putain, mais c'est la confiture là. Oh putain, il y en a un derrière, le salaud. Mais d'accord, il se cache, mais oui. Quelle bande de couilles molles. On va se cacher là. Ah oui, tiens, on va se cacher là. Ouais, c'est vachement la meilleure technique. Bon, on va se cacher là. Voilà. Là, il y a un truc. Non mais c'est n'importe quoi là, tu veux faire quoi? Aïe aïe aïe. Oulala, ça fait pique. Ça pique. Non mais bien sûr. Non mais bien sûr, bah je me casse aussi, ouais, si c'est ça, allez. Ouais, je te connais trop bien même. Vas-y, je finirai. Quoi? Vas-y, je finirai. Mais il se fout de ma gueule. Tiens, je pourrais y partir depuis le début. Attends, attends. Je sais pas si on peut plonger, mais en tout cas, je me suis en train de me faire canarder. Attends, il finira. Mais attends, déjà, faudrait tuer l'hélico, déjà, ça serait intéressant. Parce que si le mec peut finir, moi, je veux bien. Hein. Ouais, on va faire l'hélico. Il y en a beaucoup. Pas mal, ouais. On va se faire l'hélico. Mais vu qu'on va rien avec sa lampe de merde. Il est là, je le tiens. C'est bon, il a explosé là ou c'est juste une loupiote là? Mais putain, mais... Voilà, je comprends rien. Ça me saoule. Non, mais est-ce qu'on peut l'avoir l'hélico déjà? Ou alors on va se barrer, mais on va essayer de. On va essayer une technique. On va peut-être pas aller dans l'eau, parce que dans l'eau c'est suicide man. Avec le connard d'hélico, mais. Ça va être compliqué. Putain, j'avais pas vu ce qu'il y avait marqué. Tuer tous les fixeurs ou échapper leur. C'est pas et échapper leur. C'est-à-dire qu'on est on peut s'échapper. Rien ne m'oblige à les tuer. Ça, c'est intéressant. Ça, je... Fallait me le dire avant, là, parce que sinon, je me serais pas fait chier à faire des conneries. Surtout, non mais... Mais putain! Connard! Allez, on go, on se casse. Attention, parce qu'il y en a un qui est là, normalement. Oh non! Laisse-moi tranquille. Putain, mais il me suit à la trace, quoi. C'est... Qu'est-ce que tu veux faire? Ah non, mais attends, parce qu'il y avait l'autre qui était rentré par où, déjà? Oui, on va essayer. Il y avait... On va essayer. Vos armes ne peuvent rien contre ce véhicule. Bien joué. J'aime bien. Réveille-toi, pire, s'il en arrive d'autres. Il y en a beaucoup. Pas mal, ouais. Bon. On va essayer de se barrer par là. Ah si on peut... Là, le mec qui se barre là, ouais. On peut se barrer par là. Est-ce que se barrer par la mer, c'est... C'est trop visible. Bonjour monsieur... Mais putain, mais... Y'a pas de visée auto sur cette merde de jeu là. Oh, allez, on se casse par là. Ah bah oui, c'est plus ça par ici. On est là. Vous avez besoin d'aide? Ouais, je te connais trop bien même. Vas-y, je finirai. Ça, c'est pas pour signe. Il a un flingue. Non, sans blague. Mais putain, mais tire là! Il y en a combien?
Mais je vois plus rien, je crois qu'il est mort. C'est bon, allez, on se casse. Fais le sortir de la route. Putain, mais c'est quoi cette voiture? Elle est déjà morte. Putain, mais j'ai un bousin. Pourquoi neutraliser? Allez, on lui rentre dedans. Putain, mais c'est quoi que j'ai là? Mais ça va en ce point. Oh là là. Voilà le tunnel, comme ça moi on aura plus l'hélico. Défonce-lui sa gueule, vas-y. Quoi, d'accord, je suis en feu. Ça comme ça tout le monde va exploser, ça va être génial. Je... Ouh la confiture là, ouh la bonne confiture. Putain mais c'est quoi cette avis? Oh là 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 là. Oh putain, ils ont repris tous leurs véhicules. On est là. Rentre dedans. Là, on peut pas tirer d'ici. On change de position. Hop, encore un petit tunnel là. Putain, mais ils avancent super vite, les mecs. Putain. Oh, ça me saoule. Viens vers nous, c'est presque trop facile. Pour en gagner, mais qu'est-ce que je vais me branler. Putain, mais l'hélico, il est cheaté. Mais merde, j'ai pas réussi à la renfermer. Bon, je la refermerai. Oh le coup. Vas-y, éprends-le. Dépoussez-vous, les putains de piétons. Oh là. Oh, j'ai dû. J'ai jamais fait autant de blessés de civils. C'est pas bon. Je sais même plus où faut sortir là. Putain, mais je sais même plus sur quoi cliquer. Épouse-toi, le marchand de glace. On change de position pour un meilleur angle de tir. On a besoin d'aide. Roulez-lui dessus. Roulez-lui. Non, mais c'est quoi? Non, la conduite, moi j'aime bien. Hein. Même si elle est un peu. Enfin, la conduite, en fait. Quoi que je me prenne, en fait, la voiture va pas. Va pas réagir. Moi j'aime bien. Mais c'est assez spécial, effectivement. Tu vois, je me prends plein de dégâts, mais la voiture s'en branle complet. Merde. Oh, oula, pardon, les piétons. J'ai... Je sais même plus où aller là, ça me saoule. Tu veux que je fasse quoi là? Ah si, un brouilleur. Attends, un brouilleur, j'ai ça, je crois. Comment on fait pour les brouilleurs? Brouillage. Je sais même pas comment on fait. Brouillage. Je sais même pas à quoi ça sert. Bah, brouillage, ça sert à rien, ils sont à côté de moi. Allez, casse-toi. Mais non, mais c'est... Mais c'est n'importe quoi, c'est quoi ça, là? Mais comment ils font? Oh la vache! Mais je suis où? Putain, on peut aller dans la forêt? Oh, génial. Je vois rien du tout, là. C'est... En plus, il y a le brouillard, je sais pas quoi. Espèce de... Ah, par contre, ce qui est bien, là, c'est que j'ai semé les véhicules. Par contre, on va peut-être pas rester ici, puisqu'il y a le connard d'hélico qui est toujours là. Putain, connard d'hélico. Putain, je sais même pas où je suis. Bon, apparemment, les voitures ont pas envie de quitter l'or. Mais il me fait chier, c'est hélico. Comment veux-tu se mener? Ah si, par le tunnel. Mais oui, mais il y a les voitures. C'est soit je vais dans les forêts, je sème les véhicules mais pas l'avion, soit je vais dans le tunnel. Je sème. Ah, ça me saoule.
Mais bon, je dirige vers vous, mais je fais faire demi-tour là. Les renforts sont là. Oh, n'importe quoi, je me prends une voiture en pleine face, je perds même pas de vitesse. C'est génial, j'adore. Oh, plus petit dérapage. Ah, ça c'est beau. Ah, tunnel. Et j'ai, apparemment, j'ai plus de voiture derrière moi, donc ça c'est bon. Apparemment, je me suis. Ma voiture, mais elle n'existe même plus quoi. Hop, un autre tunnel. Apparemment, on me poursuit encore, putain, donc. Il a pas pu s'envoler. Oh putain. Oh non, faudrait pas que. Non. Non, mais putain. L'hélico qui me rattrape. Non, c'est bon, je sais pas. En plus, là, c'est de la super route là, c'est de la route de campagne. Je sais même pas où je suis là. J'ai jamais été ici. Putain, je savais même pas qu'il y avait des environnements comme ça dans Watch Dogs. Non, c'est pas. C'est pas moche, je sais pas. Ok, cette fois il a disparu. Eh, si ça c'est pas de la skill. Non mais je suis où là? Je suis dans les marais chaussés là. Dans les marais chaussés, qu'est-ce que je crois? Bah tant mieux. Bah, je suis vraiment paumé là. Je sais même pas comment j'ai fait pour aller jusque là. Oh là là. C'est quoi qui est juste là? Débloque le contrôle du district pour vous introduire dans le centre. Oui, on s'en fout. Quoique, on s'en fout, mais on pourra le faire. Aiden, t'as oublié de me rappeler. T'as retrouvé celui qu'on cherchait? Ouais, je te raconterai tout ça. Écoute, faut que je trouve quelqu'un d'autre. Mais j'ai un nom ce coup-ci, Elena Tucci. Elle est liée au type que je cherche. D'accord, elle vit à Chicago? Ouais, j'ai besoin de savoir où la trouver. Alors... C'est bon. Waouh, elle a une sacrée empreinte numérique. Ok, ce matin, elle a publié quelque chose à propos d'un rendez-vous. Voilà. Et j'aime bien quand on coupe le dialogue en... Il faut que je me connecte au réseau CityOS. C'est génial. Alors, on va se faire une petite mission secondaire. Mais il est où lui? Je suis trop là pour le capter lui. Apparemment il peut appeler les gardes. Putain, mais je le vois même pas hein. Je sais même pas s'il est derrière un truc ou pas. Ah mais je suis con, il y a une caméra. Non, génial. Alors, soit je fais le tour par l'eau, ce que je vais faire, je pense. On va faire les boulets. Ce sera plus simple. Oh, un petit bateau. Non, petit bateau. Je pense pas que ce soit la discrétion d'arriver en bateau. Mais... Tant quoi qu'on pourrait monter là. Y'a personne ici. On ne peut pas monter là. Doucement, doucement. Attends, mais je dis que je vais passer par là, mais en fait pas du tout. Ah, quoique. Mais attends, mais c'est exactement le même endroit. Non, on va passer par là. Ça m'a l'air plus simple.
dégage pas très vite. Hein. Avec les caméras qui basculent. Attends, c'est vraiment bien fait. Hein. Oh mon dieu. Oh mon dieu, les caméras qui basculent. Peut-être qu'on peut passer par là, par l'arbre là. Quelque chose me dit que c'est strictement possible. D'ailleurs, oui, mais sans hauteur le truc. Comment on va faire? Comment on va faire? Comment va-t-on faire? Ah, s'il y a peut-être une crique là. Non. Quoique. Ah, quoique. Eh, hey, une pierre peut escalader, ça c'est beau. Oh putain, en plus, il y a strictement personne. Eh, hey, ça c'est de la skill. Voilà. Je pense pas que c'était prévu que qu'on pouvait passer par là, puisque c'est juste complètement con. Alors, piratage. Oh putain, on a du temps. Oh génial. Je sais pas quoi faire. Attends. Ah d'accord, quand je fais ça, hop, ça désactive le truc. Voilà, comme ça, ça va nous permettre de prendre notre temps. Donc ça, on va le mettre comme ça, de toute façon. Ça, on va le laisser comme ça, puisque si je fais ça, ça va. Donc là, ça devrait être bon. Attends, mais non. Ah, là, c'est bon, non? Bah non. Mais what the fuck? Bah c'est comme ça, c'est bon, là. Ah, là, c'est bon. Là, je me suis intrusionné à l'intérieur. Attention, là, c'est... D'accord. Je sais pas si c'était vraiment nécessaire de faire ça. Je ne sais pas quel était l'intérêt de faire ça. Non, faire exploser, non, je vois pas l'intérêt. Et hop, bah on va s'enfuir. Oula, qu'est-ce que ça va être compliqué de s'enfuir. Voilà, mais comment il escalade? Il est très fort, ce Pierce. Accès au district débloqué. Et qu'est-ce que ça peut me foutre de débloquer un district? C'est-à-dire que là, si je vais dans le district, c'est la fête. C'est un truc. Point d'intérêt. Oui, checking au point d'intérêt de la ville. Découvrir l'histoire de Chicago. Ah, bon, bah si on peut découvrir l'histoire de Chicago, on va aller faire un tour. T'as oublié de me rappeler? T'as retrouvé celui qu'on cherchait? Ouais. Je te raconterai tout ça. Écoute, faut que je trouve quelqu'un d'autre. Mais j'ai un nom ce coup-ci, Elena Tucci. Elle est liée au type que je cherche. D'accord, elle vit à Chicago? Ouais, j'ai besoin de savoir où la trouver. Alors... C'est bon. Wow. D'accord, on reprend le dialogue qu'on avait terminé. Ok, ce matin, elle a publié quelque chose à propos d'un rendez-vous devant la Willis Tower. Super, je te rappelle quand j'y serai. J'aurais peut-être besoin d'aide. Alors, je sais pas si je peux encore attirer les gens. Pardon, non. Oh merde! T'as rien à faire ici! Bah, c'est quoi ce bordel? Mais pourquoi j'ai débloqué ce truc? J'ai rien compris là. Je pensais que c'est parce que j'avais débloqué la zone. Bon, on se casse d'ici, au safe. Alors, on va aller. On va aller ici. Je vais reprendre un bateau. Si j'y arrive. Il y en a un là-bas.
Tu peux même faire du focus dans la neige. C'est génial. Faut pas avoir le mal de mer. Allez, monte. Alors, est-ce que c'est bien quoi? Putain, c'est quoi ce bateau là? Putain, les cheveux. Putain, parce qu'il faut que j'aille. Est-ce que je peux? Non, si on peut. Allez, on peut. Oh, c'est quoi ce bateau là? Putain, je trouve qu'il va vite pour un bousin pareil. Oh n'importe quoi, comment il réaccélère? Ah bah bien sûr, c'est qui se gare là? Attends, me dis pas que je peux pas sortir. Non, c'est bon. Mais quel enfoiré, c'est pourquoi il y a un truc? Oh là là, mais je fais n'importe quoi. C'était pas beau. Bon, sinon le conduit ton bateau a pas l'air mauvaise. Le bateau m'a l'air d'aller un peu trop vite pour... Qu'est-ce qu'il devrait faire. Ok. En tout cas, ils sont très moches. Il y a une plage là, parfait. Non. Oh, c'était moche. Je crois qu'on allait se la faire à GTA genre, j'allais... Bon, il y avait des briques là, je sais pas ce qu'elle fout là. Donc, mais c'est très propre ici. Fais gaffe, putain. Je suis désolé. Oh là, n'importe quoi. Non, 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 non. J'ai pas tué. Un civil était blessé. Oh mon dieu. Non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Une ambulance. Bien sûr, il y a une ambulance qui va venir. Enfin, si quelqu'un l'a appelé, parce que sinon ça sert à rien. Bon, on s'en fout. Des bâtons dans les... Tiens. On sait. Ah bah ça c'est là. Hop.
suis à la Willis Tower. On a quoi sur Elena? D'après ses mises à jour de statut, elle aime bien les selfies. Là, elle fait une duck face. Là, elle est avec une copine. Ah, elle aime ses chats aussi. Qu'est-ce que tu lui veux, cette pauvre fille? À elle, rien. C'est son oncle que je recherche. Et je pense qu'elle peut me mener jusqu'à lui. Ah, on va encore s'amuser à rechercher les... J'ai l'impression que c'est un peu toujours la même chose, hein. Chercher un mec... Elle a publié une photo d'elle ce matin. Ah. Sa tenue du jour, cheveux bruns, lunettes et un sac à dos vert. Merci les réseaux sociaux. C'est un bon début. Je continue à chercher. Elle est dans Connelly Square. C'est une grande structure en verre. Tu devrais pas être loin. Je la vois. Beau boulot, Clara. Tu peux supprimer les fichiers. Aiden, chez DeadSec, on veut que les informations soient accessibles à tous. Clara. T'inquiète. On s'intéresse pas aux jeunes filles innocentes. Mais putain, mais pourquoi ils courent des fois? Ok, Elena. C'est parti. Si j'arrive, t'inquiète pas. Allô? Mademoiselle Tucci? Je suis le docteur Hayat du Chicago Hospital. Nous avons les résultats sanguins de votre oncle Angelo, mais on n'a que votre numéro. Vous savez où on peut le joindre? C'est urgent. Ah, je suis désolée, j'ai pas parlé à mon oncle depuis des années. D'accord, merci beaucoup. Attention. Y a un problème? Ouais. Salut, tonton. Elena, tu veux encore des places de concert? Non, écoute, j'ai reçu un coup de fil bizarre. Je crois que les flics te recherchent. Quoi? Ton appel vient sûrement de les mettre sur ma trace. Raccroche tout de suite. Bingo. On les a bien niqués, les petits cons. Angelo Tucci, où est-ce que t'es? Ah, te voilà. Angelo Tucci. C'est ce type qui organise le transfert de mon témoin. Oh, j'adore là, sur la map. Quelqu'un l'a payé pour obtenir l'identité du justicier. Avec le bâtiment. Qui veut mon nom. Mais il l'a pas encore. Avec le bâtiment qui se met au-dessus. Ça c'est... Ça je trouve ça. Je crois que c'est la première fois que je vois ça dans un jeu. Et c'est quand même... supra classe. Légèrement nerveux là. Tu l'as retrouvé? Je suis en train de traquer son GPS. Je vais le choper avant qu'il arrive à la prison. Joli. Youhou. Hop. Le bâtiment qui se met sur la carte. Ça c'est beau. On va arrêter les conneries. C'est bizarre parce qu'il commence le truc. Pourquoi il met ça? Ah non, peut-être que. Ah d'accord, il est sur la route. Ah. Et si je fais ça? D'accord. Et ce qui est bien, c'est que quand on suit une cible mobile, le GPS se met à jour régulièrement pour nous permettre de l'avoir sans retoucher au GPS. Ça, je trouve ça bon. Même si là, bon, il n'y a plus rien sur la piste, je sais pas pourquoi. Mais... Là, c'est bizarre, des fois ça disparaît, ça on se remet. Mais justement, je crois que c'est le temps qui se dit... Enfin, je sais pas. Peut-être c'est le temps qui se réactualise. Voilà, il est là-bas. Attends, essayez d'être monsieur discret, quand même. Je suis monsieur discret. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'est pas roulé? Ah, il est interdit de rouler par la droite? Par la gauche? Très très. T'as comment on fait pour tirer un véhicule? Je sais même pas qu'est-ce qu'il faut que je... Attends, il faut que je fasse... Mais je sais même pas comment on fait. Neutraliser. T'as comment...
con. Attends, comment on fait pour tirer là? Je ne sais pas, tiens. Oh là. Je vais faire de toi ma bitch. D'accord. Attends, mais oui, attends, parce que lui c'est un méchant. Sors-le de la route. Top. Ah, d'accord. Et là, éliminer Angelo avant qu'il ne s'échappe. D'accord, je sais même pas qu'est-ce que j'ai fait. Ou chapelle, bah je rachappe. Là, ça a peut-être plus facile à échapper puisqu'ils n'ont pas d'hélico. On a une bonne sensation de vitesse, je trouve quand même. Meilleur que dans GTA, que dans un certain GTA 5. Je fais que de le comparer à GTA 5. J'adore. Oh la vache. Oh le capot, comment il fait, c'est juste. Quelqu'un le voit ? Non, non, non. Mais putain, mais. Oh non. Oh, c'est bon, c'est foutu, là, ils m'ont eu. Ouais, ils m'ont eu. Quand même pas. Attends, là, il y a les triangles. Oh putain, j'ai vraiment eu du cul, là. Hein. Ou alors ils sont vraiment boulés. Et voilà. Putain, comment il a réussi à nous échapper ? Putain, mais comment il a réussi ? Voilà. Le transfert n'aura pas lieu. Il ne me reste plus qu'à trouver le moyen d'entrer dans cette prison. Et d'avoir une petite conversation avec mon témoin. Je vais voir combien il reste de missions. 7 sur 9. Mmh. Il n'y avait pas de... Alors peut-être attendre un coup de fil. Ah non. Est-ce que t'as toujours des contacts en prison ? Je leur ai déjà demandé s'ils pouvaient le faire glisser sous la douche. Mais pas à ce point-là. Je veux me faire arrêter. Bah bien sûr. Mais pourquoi tu ferais ça ? Le témoin en question, c'est un pauvre type. Il était au mauvais endroit au mauvais moment, c'est tout. Il avait rien contre moi. Je veux pas le tuer. Juste lui faire comprendre que je peux l'atteindre n'importe quand, n'importe où. C'est vraiment trop pourri comme idée. Mais j'adore. Je vais trouver le plan de la prison, on se parle plus tard. T'as besoin de quelque chose ? Mon téléphone. J'y crois pas. T'as un vrai problème. Tu deviens accro. Jordi, il me faut mon téléphone. Ils vont me le confisquer dès mon arrivée. Ouais, je sais, je te fais marcher. J'ai justement le type qu'il te faut. Il a une dette envers moi, tu lui auras son téléphone. Mais accro son téléphone, hein. Qu'est-ce que c'est drôle. Le centre correctionnel de Pelin. Grâce à Bloom, cette prison vient d'améliorer son système de sécurité. Serrure en réseau, surveillance automatisée. Si ma cible avait été autre part, j'aurais eu un problème. Mais pour une fois, Bloom a raison. La technologie facilite la vie. Bouge pas ! Lâche ton arme ! À terre, tout de suite ! Derrière la N'importe. Tête. Allez. Mais oui, c'est un peu trop rapide, je trouve, là. Un peu trop facile, là. Il y a de l'ordi qu'on les quitte. Non mais n'importe quoi, le mec il vient juste avec un flingue en plastique. Mec avec son téléphone, c'est n'importe. On a le droit de garder son téléphone en cellule. M'étonne ça. M'étonne beaucoup. Après bon, il est peut-être juste en garde à vue. Avec son joli gilet orange. Hey, je l'ai déjà dit, mec.
toujours rien. Non. Hop là. Oh merde, je peux pas. Oh, j'ai fait le con là. Attends, est-ce que... Oui, est-ce que le truc faut que je pirate, faut déjà... Attends, mais c'est là. Merde. Ah, oh, je le vois pas. Non. Attends, mais non, il y avait l'autre. Non. Il faut là. Ouf. Chance. Faudrait qu'il bouge maintenant. Et je peux rien faire avec. Ah non, mais attends, avant, faut que je déverrouille le truc en haut. Et ça, c'est... Pourquoi on me repère là? C'est complètement absurde. Là, c'est moi qui est là-bas, là. C'est moi, là. Non, faut que je sais pas. Attends, il y en a un là-haut. Oui, mais il n'y a pas de caméra, lui. Si, il en a une. J'ai tombé sur un truc curieux. Le Bell Weather. Ah putain, c'est ça qu'il faut pirater. Non! Mais non, il t'a paru quand je passais au bout du Merlot. Il est là, le truc à pirater. Mais quel abruti! Un genre de code utilisé par le CityOS. Le terme Bellwether signifie message. Putain, j'avais même pas vu. Donc ça, c'est bon. Maintenant, faut aller en bas, oui, comme j'avais vu. Alors, soit il se retourne et on y va. C'est bon. Retourne-toi encore un peu plus, s'il te plaît. Enfin, mais non, c'est même pas ça. C'était ça de ta gauche, alors. Il doit y avoir un autre truc. C'est bizarre, parce que des fois, je me fais repérer. Y a pas vraiment de raison. Attends, je crois, bah, pourquoi il me dit... Attends, c'est... Ah non, c'est quoi, c'est ça? Oh putain, mais quel con, j'étais sorti là. Jordi, je suis prêt. Ouais, je vois ça. Arrête de jouer au con, c'est toi qui devrais être ici, c'est ta faute tout ça. Tu devrais surtout parler moins fort. Si t'envoies au trou, je pourrais pas t'en faire sortir. Je vais chercher le planning des prisonniers. Je te rappelle plus tard. Oulalalala. Ça risque d'être sacrément dur. Mais bien sûr. Oula putain, en plus ça a bien augmenté ça. Ah non. N'oublions pas que je peux neutraliser les mecs. Donc apparemment c'est en dessous là. Et c'est suicide là. C'était un peu du... C'est ça passe ou ça casse quoi. Et ça passait plutôt bien. À part s'ils viennent jusque là. Mais apparemment, je pense pas. Attention parce que là, il y en a de partout. Il y en a en haut. Donc pour passer là, faudra être discrétion. Bon, je sais pas c'est qui me voit, mais... J'ai trouvé le planning. Elle est où la cour de promenade? En haut. Non, non, putain, c'était là. Et pourquoi tu te retournes à ce moment? Retourne-toi. Smoking is a privilege. What? D'accord.
surtout parce qu'il y en a en face là. Et puis ça sera des coups. Voilà, j'y vais au moment où il se retourne, ça serait con. On reste discret jusqu'au bout, c'est pas la peine d'y aller en bourrinant tout de suite. Parce que là. Attends, on essaye quand même. Oui, on essaye. Oula! Putain, je pensais que ça allait faire une cinématique. Ah non, en plus, c'est même pas par là qu'il faut que j'aille. Là, je trouve quand même pas mal ce. Bon, c'est. Ça peut paraître très simple, mais je trouve l'idée originale. Attends, est-ce que je vais me voir? Non. Mais je vois rien là. Non, je passe pas par là, c'est suicide là. Attends, il y a un truc à pirater là. Non mais il est super loin. C'est là-bas qu'il faut aller. J'aurais dû prendre l'autre mec en fait. Faut que l'autre mec revienne. Attends, y a pas un truc. Ouh, que ça va être chiant. Attends, je sais pas quoi faire. Ah si, attends, il revient. Voilà. Mais je sais pas où ça va. Oui, je me rappelle, il y a un moment où il regarde la tasse de café. Enfin, la tasse de café, je m'en abrogis ça, c'est des deux aussi. Prends ton temps. Oula, oula, oula. Espérant qu'il me voit pas. Non, normalement ça, enfin, ça devrait être bon, c'est juste. Hein. Donc comment il se barre, j'y vais. Parce que de toute façon, lui, je pense pas qu'il puisse me revoir. Alors ça j'appelle fumier 3000. Le mec il va là-bas et direct après il revient sur ses pas. Ça c'est juste dégueulasse. Ça devrait être interdit. Non franchement. Là j'aurais pu me faire voir. D'ailleurs il y a un truc à pirater. Je vais me faire opérer. Faut pas que je le fasse ici. Hein. Bon, on peut se mettre là. Comme ça. Il n'y a aucune chance que je me fasse voir par lui. Et je pourrais pas pirater en toute tranquillité. Si j'y arrive. Voilà. Alors lui, toi, t'es obligé d'être comme ça. Toi, t'es obligé d'être comme ça. Ah oui, et puis côté comme ça. On voit tous les gardes aux... Non, je pense pas que ce soit le niveau en lui-même. Hein. M'étonnerait. Juste un fond d'écran. Totalement. Alors, hop. Bon, il faut qu'il y en ait un qui passe par là. Donc comme ça. Là. Ah. Si je me souviens bien, ce mec avait une sorte de tatouage sur tout le visage. Un truc dégueulasse. Mais facile à repérer. Il doit être dans le coin. Queen ne peut pas prendre de risques. Oh putain. Mais si je veux que ça m'arrive à moi. Ah, faut que je l'identifie maintenant. Le cartel, soupçonner le lien avec les gangs. Attends, il y en avait un qui était génial. Ah non, attends, c'était où? Il y en avait un par là, il... Attends.
Ah, faut que je retrouve. M la quiche Lorraine. A placé une bombe dans une maternelle, voilà tout ce qu'il y a. Ah, c'était lui. M le cosplay et les andouillettes. Non mais est-ce que vraiment aimer les andouillettes est peut-être une passion, je ne vois pas. Attends, il marquait quoi? Paye régulièrement sa schneck. What? Oui, Docker, je suis très. J'aime bien être concentré, moi. Je suis très intelligent, comme tu le dis. Lolesque. Non, par contre, je pense qu'il y en a. Ils ont dû s'amuser à écrire les différents. Différents hobbies, on va dire. Accepte les pots de vin des dealers. Incendier son patron. Enterrer ses victimes derrière sa maison. T'as eu marqué quoi, excellent quoi? Excellent pianiste. Bon, piraté. Changement de plan. Notre transfert de prisonnier a raté. Vous êtes le plan B. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tout ce qu'il faudra pour faire parler ce type. Ça marche. Auteur de best-seller. Travailler sur sa production de peine. Sauf que faut que je continue là. Tentative de suicide. Bien sûr, faut utiliser caméra parce que sinon je vais jamais y arriver. Genre, c'est lui là qui est caché. Voilà. Comme que par hasard, il était caché. Et maintenant, comment te faire partir d'ici? Mais de question. Non mais franchement, comment il aurait fait si justement il se serait pas passé ça? Il y a un problème. Des gardes viennent d'embarquer notre cible. Merde, ils sont sous sol, vas-y. Là, je fais n'importe quoi. Oh, je fais n'importe quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Oh oui, d'accord, parce que je piratais l'ascenseur, je pensais qu'il allait s'ouvrir directement, mais... J'ai vraiment eu du cul, là. Hein. J'ai un peu trop bourriné. J'appuie même pas sur les boutons, moi je pirate le truc directement, c'est plus simple. L'arme a été déclenchée, fais attention. Bon, par contre, c'est vrai que pirater, normalement, c'est pas comme ça. C'est pas juste, ah tiens, je vais pirater cette caméra, pop, j'appuie sur carré, c'est bon, tu y es déjà. Bon, c'est un jeu après, hein. C'est un peu simplifié, vite. Faites du business sans nous ou quoi? Tu crois qu'on n'a pas des amis au placé, connard? Eux aussi, ils veulent avoir leur part. Non, j'ai déjà tout dit. C'était pas un deal. On nous a appelés. Et on s'est fait baiser, quoi. C'est moi qui vais te baiser. Alors arrête de mentir. On t'avait prévenu, tu veux mourir? T'as pitié, quoi. Je dis la vérité. Attends, y a un truc qu'il faut que j'atteigne. What, je suis où là? Et ton pote, qu'est-ce qui lui est arrivé? Où est-ce qu'il est? Maurice? Je sais pas. Ils l'ont chopé. Ils l'ont sûrement buté. C'est qui il? Je sais pas. Non, putain, le truc à atteindre, c'est moi qui dois l'atteindre. Je pense que ça doit être ça. Ah, c'est moi qui dois l'être. Il y a un truc là. Une boost focus. Ah bah atteindre, si j'y vais là, je... Je repère rien, non? Éliminer les gardes corrompus. Mais... Ah bah oui, j'ai plus d'armes. Ah oui, et puis bien sûr, il y a une arme cachée sur la poubelle. En plus, un petit pont. Ah, les policiers corrompus, on va vous avoir. Saloperie de policiers corrompus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je tire à côté. Mais putain, mais il meurt pas.
Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon, j'ai fait n'importe quoi, effectivement, là, on peut le dire. On peut le dire. On va essayer d'être un tout petit peu... Ah oui, attends, parce que... Faut repirater le truc. Bordel, qu'est-ce que demande une arme de coup ici au stade? Vous faites une business sans nous ou quoi? Je crois qu'on n'a pas des amis au placé, connard. Eux aussi, ils veulent... C'est vrai que si j'ai un boost focus, c'est peut-être pas pour le plaisir. J'ai déjà tout dit. C'est pas dit. Bon, cette fois-ci, on peut-être un petit peu mieux viser. Allez, alors des fois je les tue en d'un coup, je sais pas pourquoi. Mais... Il y a des coups de feu. Peut-être que je me cache un petit peu. Mais reviens, allez, tueur sur moi. Merde, je suis con, il y a neutralisé là! Mais quel boulet! Je suis vraiment mal là! Vous êtes à planquez-vous! Planquez-vous! J'ai pas signé pour ces conneries! Ah putain, je pensais que faire exploser c'était exploser le truc. C'est de la boulette! Allez hop, du premier coup! J'ai besoin de renfort. J'ai l'impression que les kills sont aléatoires. Attention, il nous contourne. Lui, je l'ai neutralisé, je l'ai pas tué. J'ai besoin de renfort. J'ai dû lui tirer dans l'épaule. Oh. Je lui ai bien pété les pieds là. Lui, je vais le neutraliser. Non, on va peut-être pas le neutraliser. On va être safe. Et bien sûr, il y a un mec comme ça qui vient d'un ascenseur. Pas du tout cliché le truc, ça j'adore. Ah putain, je pensais qu'il allait tourner, mais non. Regarde, il sait où je suis. Il serait capable de lancer une grenade. Et voilà comment on fait chez moi. Quel bouletos. Ça de venir sans se cacher, connard. Toi, c'est pas encore fini? Oh, officier! Non, c'est nul. Ouais, c'était nul. C'était mal contextualisé, on va dire. Au secours, doucement. Putain! T'es entré au secours! Comment t'as fait pour entrer, mec? Oh, tu sais, c'était plutôt facile. Les prisons haute technologie, ça simplifie les choses. On se connaît? Quoi? On se connaît. Donc quel bizarre. Non. Je t'ai jamais vu, mec. Je me disais aussi. Donc t'es ici pour 60 jours. Mais tu sors dans 30 jours si tu te tiens bien. Et maintenant, c'est marqué quoi, là? 60 ans? Mais qu'est-ce que tu fous, mec? Je te montre juste un avenir différent. Tu vois? Des fois qu'ils te prennent l'envie de parler... ou de passer un marché avec les flics. On se comprend? Et on recherche pas l'autre connard. Et quitter la prison. Est-ce que ça va être simple? J'en doute. Bon, j'imagine que tu veux sortir. T'en fais pas, je t'ai envoyé un petit colis surprise. Où ça? T'inquiète, tu peux pas le louper. Oui. Comment il a fait pour mourir, ça?
Laundry. Ça veut dire quoi déjà ça? Je sais plus. Ah d'accord. Mais je suis où? Échec de la reconnaissance faciale. LOL. Appel à toutes les unités. Un suspect a été repéré. Les officiers ont besoin de soutien. Oula, ça... Ça... C'est pas pour les épileptiques là, parce qu'il y a du monde apparemment dehors. Je peux même pas sortir, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, Laundry, c'est dire blanchisserie, bien joué. Je vous demande. Je crois que c'est ça, hein, Laundry, blanchisserie. Ou ça doit être un truc du genre. Par contre, là, si je sors, ça... oh, regarde, déjà, on voit déjà le véhicule de police à la traîne. Ah, puis avec l'effet de lumière, bien sûr. Je vais essayer de conduire une voiture de police. Si j'y arrive. Si j'y arrive. Si j'y arrive pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, je voulais neutraliser le garde. Sauf que ça marchait pas. Ah oui, parce que j'oublie qu'il faut rester. Faut maintenir triangle. Faut pas appuyer sur triangle. Si tu appuies sur triangle, ça ne marche pas. Faut maintenir triangle. Alors, je sais pas d'où je vais revenir. Appel à toutes les unités. Un suspect a été repéré. Les officiers ont besoin de soutien. Oh, officier. Non, j'ai raté. Oui, le débrouillage c'est là. Vous ne m'arrêtez pas. Bon, elle est déjà toute pétée la voiture. J'ai même pas. J'ai pourtant pas fait beaucoup de dégâts dessus, hein, c'est le pire. J'ai juste. Elle est carrément déjà en train de fumer à donf. Le problème, si je remonte, c'est pas très pratique ça. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a ma voiture? Alors, j'ai jamais de problème de conduite avec la voiture là tout d'un coup. Alors, peut-être on va péter un pneu, c'est peut-être possible. Merde, on peut pas. Ah, si on peut sortir, je m'en doutais qu'on pouvait sortir. Oh putain, mais. Elle est chelou la conduite. C'est bizarre, j'ai jamais eu tant de problèmes. Mais normalement, je dois. Peut-être pas dû aller. Bon, j'ai réussi à sortir, c'est bien ça. C'est bien, j'ai eu un peu de mal à conduire. Ah, c'est moi, je sais pas comme dans GTA 5. Vous pouvez un peu mettre une autre sirène. Bon, non, on a écrit. Bon. Si tu veux. Bien reçu. Une voiture de patrouille de choc est en route vers la position du suspect. Pardon, j'ai pas fait exprès, je vous sauverai plus tard. Oh putain, comment il fait? Mais n'importe quoi, le mec il me double. Ah, j'ai jamais eu de mal à conduire les voitures, mais là avec celle-là, mais c'est pas possible. Ou j'ai un pneu de crevé. C'est obligé là. J'ai jamais eu de mal à conduire les voitures dans Watch Dogs, et là, je sais pas. Là j'ai vraiment du mal à tourner. Elle part en arrière là. Pas. Mais putain, mais ils en font exprès les piétons. Il y a une course poursuite devant eux, regarde, ils restent devant là, c'est. Jamais vu ça quoi. Il y en a même qui me foncent dessus. Quoi. Bon, je pense qu'on va dire que j'ai les pneus crevés parce que là c'est pas possible. Chaque fois que je tournais, c'est. Neutraliser quoi? Je sais même pas ce que j'ai. J'ai fait quoi là? Franchement, j'ai fait quoi là? Je sais même pas ce que. De neutraliser, je sais pas, la voiture. Oh. Eh non, mais je peux même pas tourner là, c'est. Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Bizarre, c'est la première fois que c'est marrant. Bah, ça fait des beaux dérapages, mais. Ça dépend.
Faut le maîtriser en tout cas. Oh là oh là oh là. Ça va péter ça. Neutraliser. Attends, on peut neutraliser la voiture. Mais c'est quoi qui neutralise, je comprends pas. Je confirme le véhicule du suspect foutu. Ah. Petite moto. Ah mais même eux ils ont du mal à conduire leur voiture. Hein. C'est pas le mien hein. Ah j'adore les courses poursuites de voitures de flics qui se mettent en plein milieu de la... Oh la vache. Il m'a foncé dessus. Quel enfoiré quoi. Non mais j'adore les courses poursuites. Ils se mettent bien au milieu, regarde, ils se mettent... Oh la vache. Mais c'est même pas vrai, c'est même pas possible là. C'est quoi de ces flics là? Les mecs ils veulent m'avoir coûte que coûte hein. Si c'est pour détruire toute la ville, on s'en fout. Allez, allez on fait des fusillades en pleine ville. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais... Attends, mais qu'est-ce qu'il branle? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qui... Il y avait quelqu'un qui est en train de lui tirer dessus. Tranquillou, il enlève le mec. Il referme la porte. Sans rentrer dedans. Non mais putain, mais quel boulet. Oh là, je vais te frapper. En tout cas, les flics, ils en veulent. Hein. C'est un peu des tarés, hein. Taré de chez taré. Tiens, c'est... Franchement, je crois que le truc de brouillage n'est pas là par hasard. Putain, mais j'ai déjà de la confiture sur l'écran. Mais regarde... Ah non, mais ça me le refait encore. Je voulais tourner, mais ça tournait pas directement. C'est très bizarre. Putain, j'aurais dû aller sur le truc du tramway, je sais même pas si on... Non bah c'est foutu maintenant. Parce que là je pense que c'est le but un peu. D'aller sur le truc du tramway. Mais il fallait un petit peu d'élan. Ah, vache. Attention, une voiture de patrouille de choc se dirige vers la position du suspect. Oh putain. Oh le. Ah. Mais putain, mais c'est une rue piétonne. Non mais, monsieur, il y a une voiture, il y a une voiture, vous me voyez pas? Non mais en plus elle a les yeux sur moi. Je pense qu'on va passer par là. Aïe. D'accord, la meuf qui tombe alors que je n'ai rien fait. Enfin je suis pas encore venu quoi, c'est... Aïe 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 aïe. Ah, franchement, je pensais que ça allait se détruire, ça, j'ai eu chaud. Oula, sur la map, ça bug, là. Ah non, c'est peut-être vu que ça clignote, ouais. Eh, faut pas être épileptique, hein. Je sais pas ce qu'ils nous ont fait avec les sur la carte des flics, là. Mais les trucs, ça vibre, hein, mais comme... C'est n'importe quoi. J'ai neutralisé... Je sais même pas ce que j'ai neutralisé. C'est pas les feux... Genre, je change les feux ou je neutralise les feux, tout d'un coup, ça... Oh là là, ça va être le labyrinthe des autoroutes. Quelque chose me dit que je suis pas du bon côté de la route. Suspect hors de notre champ de vision. On refait un passage. Oh le bé. La voiture. Elle a. La voiture a freiné tout seul, on dirait. Finalement, le plan a fonctionné. Eh mais on dirait que j'ai de la nitro. Pourquoi ça fait ça? Oh, j'ai deux pots d'échappement, oui. Maintenant, les tueurs de l'ENA. Je veux savoir qui est responsable. Damien m'a parlé d'un deuxième hacker. Quelqu'un qui était au Merlot. Il faut que je découvre ce qu'il sait. Par contre, je sais pas ce que c'est le CityOS en bas, là, avec les trucs qui clignotent. J'ai toujours pas compris ce que c'était. Oula, 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 qu'est-ce qu'il a le joli RAM là? Oula, mais. Des fois les voitures elles saccadent. Mais là, regarde, qu'est-ce qu'elle fait là, cette voiture?
Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais... Aiden, j'ai pas du tout aimé notre rencontre. Au moins, je t'ai pas tué. Regarde, la voiture, elle saccade. Je t'ai appris plein de choses. C'est quand même sacrément bizarre. Pourtant, on n'est pas en ligne, hein. Y'a aucune raison que ça... ça lag. T'as parlé d'un deuxième hacker. C'est juste dégueulasse. Et ça, on savait déjà qu'il y avait quelqu'un d'autre. Donc, t'as quelque chose de nouveau. Ah, intéressant, pas vrai? Viens me voir. Je t'expliquerai. Dis-moi d'abord. On verra si j'ai envie de te voir. Non, non, mes infos, mes règles. En plus, il faut qu'on rattrape le coup de la dernière fois. Allez, vite. Dépêche-toi. Je vais même pas écouter les conversations. Bon, je vais me garer là, sur le parking. Voilà. Bon, l'élément du structure, moi, je le trouve plutôt bien. Hein. Bon, je pense que c'est pas moche, ça. C'est plutôt beau. Un justicier sévit actuellement dans les rues de la ville et nous voulions l'avis d'un expert. Nous recevons le docteur Diana Bertrand, qui est criminologue à New York. Docteur, que pensez-vous de ce justicier? Typiquement le complexe du héros standard. De plus, les médias le maintiennent dans son délire. Il parle de lui, il lui attribue un surnom, il documente chacune de ses actions, tout ça, ça l'encourage. Il ne cherche pas à aider qui que ce soit à part lui-même. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, qu'est-ce que c'est que ça? Essayez de pirater vos données. Accepter un contrat de piratage. Mais j'ai pas accepté, quoi. Alors comment faut-il faire pour s'en débarrasser? Putain. Et Docker, le jeu RAM, puisqu'il me l'optimisait, je pense pas vraiment. Hein. Pourquoi? C'est un peu... Faut arrêter de cracher sur le jog pour tout et n'importe quoi non plus. Il a ramé juste 2 secondes et demie. Hein. Y a eu d'autres jeux où j'ai beaucoup plus ramé que ça. Bon, là, c'est pas... Franchement, là, j'ai pas à me plaindre de ramage. J'en ai eu, mais en fait j'en ai pas vraiment eu. Juste là à l'instant. Sinon j'ai vraiment pas à me plaindre. Pas joué. Attends, parce qu'il est où ce connard? Non, parce qu'ils peuvent se cacher dans les voitures, c'est ça. Il est peut-être en hauteur, hein. Oh, ça sera un braconnard, je pense. Je plaisante. Oui, évidemment. Mais... Mais comme je sais que t'aimes bien critiquer Watch Dogs, je me suis dit peut-être qu'il est sérieux. Ah, elle est peut-être de l'autre côté. Attends, tu sais pas ce que je t'ai répondu? C'est embêtant, ça. Attends, parce qu'il est où le connard? Parce que je sais pas. Mais il est où? Me dis pas qu'il est sur... Oh putain, je suis sûr, il est sur le bâtiment. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, non, bah, j'ai pas eu trop de problèmes de ramage. Et c'était... Et voilà. Non, j'ai pas eu plein de ramages, voilà, c'est tout. J'espère qu'il m'a entendu cette fois-ci. Ah, j'ai trouvé! Il est où? Je l'ai vu! Non! Attends, tour? Mais... Non, j'ai pas vu, en fait, il y a un truc rouge, mais c'est quoi? Mais il y a rien du tout! Ou alors, il est en haut? Mais va te faire foutre! Mais va te faire foutre! Putain! Va te faire foutre! Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je voulais arrêter en fait. Alors attends. La destruction me choque, on dirait du burn-out par Dice, sans déconner. C'était en 2008. Bon, franchement, moi je l'aime bien. La destruction du décor. Au moins, il y en a. Franchement, parce que. En recomparant encore une fois à GTA V, je préfère Watch Dogs. Et même les dégâts de voiture, franchement.
Bon, non, les dégâts de voiture, c'est pas du niveau de GTA V, c'est sûr. Même GTA V, je trouve que les destructions de véhicules sont peut-être un peu trop prononcées parce que c'est limite irréaliste des fois les dégâts. Encore là, je. Mais c'est pas mauvais non plus. Mais les destructions des corps, moi j'aime bien. Je préfère même à GTA V. Enfin, est-ce qu'on refait une mission, je sais pas. Bon. Attends, parce que. Cloc, cloc, cloc. L'acte 1 est fini quand? Parce qu'il est quelle heure? 1h52? Il fait 2h du mat quand même. Je vais me lever à quelle heure demain? On n'est pas pressé, comment? Non, je vais arrêter. C'est bon. Imagine la mission dure 3h30 et je me plante toujours à la faire. Oh, pardon, pardon! Excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Bah tiens, on va essayer les destructions des décors parce que c'est tellement beau. Voilà, la destruction des homicides, ça j'aime bien aussi. Ah, une moto. Hein? T'as dit quoi là? Regarde, il court là. Oula! Il essaye de s'enfuir! Oh mon dieu, mais quelle rapidité, mais je ne vais jamais le retrouver. T'as faut entendre des gars qui parlent, c'est drôle. T'as qu'est-ce qu'il fait? Il fait des mots fléchés là? Tu veux ma photo? T'as marqué quoi? Vibration treatment. D'accord, SF. Voilà. Bon là, je. Tiens, on va essayer cette voiture. Vas-y, sors de là. Oh là là. Je veux pas mourir. Voilà, mon dieu. Oh là, quelle poursuite. Boîte à gants fouillée, argent 118$. J'aime bien. T'as juste à entrer dans plein de voitures, hop, tu gagnes de l'argent. Tout explose, c'est pas réaliste. C'est vrai que ça, est-ce que c'est réaliste? Mais franchement, bah oui. Enfin, c'est pas réaliste, pirater n'importe quoi non plus, pareil. On s'en fout. Regarde, tout explose. C'est juste génial. Où sauf que c'est pas réaliste. Ah, mais c'est juste génial quoi! C'est pas réaliste, mais qu'est-ce qu'on s'en branle du réalisme? Ça serait si le réalisme était. Non, c'est juste génial! GTA 5 a tout autant de destruction et c'est super bien fait. Ça m'étonnerait que dans GTA 5 tu puisses casser les arrêts. Les trucs d'arrêt de bus là. Et puis tu peux pas autant détruire des trucs, je trouve. Et je trouve l'effet meilleur dans GTA dans Watch Dogs. Ah, parce que là tu peux vraiment détruire plein de trucs. Regarde l'arrêt de bus là. J'ai à peine touché le truc, il se casse en morceaux, c'est juste génial. Non, c'est génial là. On ne peut pas faire ça dans GTA 5, je ne le crois pas. Ah, si il était blessé, ben je le soignerai. Bon, par contre, je sais que les arbres comme ça, je peux pas les péter. Ils sont trop durs. C'est dommage d'ailleurs. Si on pouvait casser les arbres, ça. C'est vrai que des arbres à retomber, ça aurait peut-être un peu trop dur. Hein. Un peu trop dur. La police recommande la plus grande prudence à l'approche des imperfections. Un peu trop dur à. Comment dire, je sais même pas trop dur à faire. Oh putain, j'aurais pu sauter là. Bah tiens, on va faire une cascade. Bien sûr, la porte s'est refermée. Go. Quelle cascade de qualité. On va arrêter avec les destructions de corps, je crois qu'on va arrêter. Hop, je me gare et c'est fini et voilà. Oui, parce que je sais pas, parce que des fois ça se. Je sais, parce que je sais même pas si ça sauvegarde en fait.
Bah je pense que c'est sauvegardé. Bon j'ai fini depuis ma dernière mission. Bon on s'en fout. Voilà. On s'en fout. On s'en branle.